Monsieur Mohamed Fikret, bonjour. Vous êtes bonjour. Président de COSUMAR. On est présent aujourd'hui au SIAM où COSUMAR participe en tant que filière sucrière et filière importante dans l'agriculture au Maroc. Vos impressions par rapport à cette 14e édition, monsieur Fikret? La 14e édition est meilleure que l'édition précédente et on voit qu'il y a une amélioration continue dans le contenu, dans la qualité aussi des expositions, des stands et la diversité et aussi la dimension internationale qui se confirme d'édition en édition. Et je pense que c'est une belle plateforme pour présenter sur un même lieu un ensemble d'activités autour de l'agriculture qui est un levier très important dans l'économie nationale, puisqu'il concerne au minimum 35-39% de la population marocaine. Mais au-delà de ce fait-là, c'est aussi un secteur qui est très prometteur. Et vous avez vu, Sa Majesté, il avait donné ses instructions au ministère de l'Agriculture pour passer à la deuxième phase du plan Maroc Vert, après 10 ans de réalisation d'un ensemble d'actions, pour qu'il y ait plus d'emplois, plus d'intégration des jeunes, plus de contribution à la création et la consolidation d'une classe moyenne dans le monde rural. Et puis vous avez en aval de l'amont agricole, vous avez toutes les opportunités qu'on peut imaginer dans l'agro-industrie. Aujourd'hui, l'agro-industrie ne représente que 4% du PIB marocain, alors que dans d'autres pays, il peut aller vers 10, voire au-dessus de 10% du PIB global. Et nous avons beaucoup de produits, beaucoup de possibilités dans le secteur agricole qui gagnent à être valorisés, à être aussi servis au marché national et au marché international. Alors nous participons par un stand que nous avons voulu innovant par rapport à l'édition précédente. Il a été organisé autour de le 90e anniversaire de COSUMAR, puisque COSUMAR a été fondé en 1929. Aujourd'hui, 2019, pour nous, c'est la 90e année de l'existence de cette institution nationale. Et nous avons rappelé les principales étapes de notre histoire, en passant par d'abord la nationalisation, en 1967, où le gouvernement marocain est rentré dans le capital, en passant aussi par l'introduction en bourse en 1985, la privatisation des sucreries ex-publiques, qui a permis aujourd'hui à COSUMAR d'être scalé, un groupe intégré où il y a la betterave, la canne et le raffinage. Et puis le lancement de la raffinerie en Arabie Saoudite qui a été lancée en 2017 et aussi une autre usine que nous sommes en train de construire en Guinée-Conakry pour le moulage du sucre et servir le marché guinéen et le marché régional. Alors, autour de cette partie qui relève de l'histoire, de la célébration du 90e anniversaire, nous avons réservé un espace pour nos produits qui sont commercialisés sous la marque Nmer, qui est connue avec son macaron rouge. Nous avons réservé aussi une autre partie pour la RSE. Nous sommes là dans la partie RSE. Nous avons rappelé les trois dimensions: people, l'humain, planète, l'environnement, et prospérité, qui est la création de la richesse et surtout le partage de cette richesse avec toutes les composantes de notre écosystème, les fournisseurs, les actionnaires, les clients, les collaborateurs et la communauté, en payant nos impôts. Et dans cette partie-là, qui est la mission principale d'une entreprise privée, c'est créer la richesse de manière pérenne. Nous avons lancé un slogan qui est « Partageons le progrès ». En anglais, « Sharing the progress ». Et en arabe, la meilleure traduction, « Al-baraka tajma'ouna ». Al-baraka tajma'ouna. La baraka, ça veut dire la prospérité. Ou tajma'ouna, ça veut dire qu'elle est partagée avec toutes les composantes de notre écosystème. Alors, en parlant de notre écosystème, une composante forte, c'est la partie amont agricole, où il y a 80 000 agriculteurs sucriers.
et qui sont présents dans les 5 régions. Nous avons cette année relevé le défi de commencer la digitalisation. C'est l'un de vos projets phares pour cette édition. Phare pour cette édition et on l'a développé. Et ça consiste à équiper tous les agriculteurs qui font la plante sucrière par une carte électronique qui permet de gérer les opérations depuis la prise en main des intrants jusqu'à la livraison de la betterave et la campagne, la culture et la croissance de la plante. Et ce qui est important dans ce projet, il améliore le suivi en temps réel et de manière électronique. Dans chaque sucrerie, nous avons un grand écran où tout le périmètre sucrier est représenté et on suit les opérations et l'état des parcelles. Et même la vitesse de semis est suivie en temps réel. Nous avons des ingénieurs agronomes et des techniciens qui sont présents dans ces salles de contrôle et sont connectés à toutes les machines. Et quand il y a un problème, on réagit à temps et très vite. Il y a une bonne réactivité. Le deuxième élément aussi qui est très important, c'est la consolidation de la confiance des agriculteurs dans tous les opérateurs qui interviennent. Vous savez, il y a le prestataire qui vous remet les intrants, vous avez le prestataire qui vous aide à préparer le sol, à faire les semis, la plantation pour la canne, vous avez le prestataire qui vous aide à faire la récolte, le chargement et le transporteur qui a les camions. Avant, ça se faisait mais de manière manuelle. Aujourd'hui, tout est cadré et c'est suivi de très très près. Un camion doit aller à une parcelle et on sait quand est-ce qu'il y est allé et il n'a pas de marge de manœuvre pour faire certains écarts ou certaines déviations qu'on peut imaginer dans certains cas. Donc ça, c'est énorme. Ça augmente le confort de suivi pour l'agriculteur et pour la sucrerie. Et en même temps, ça permet d'optimiser les opérations. Une question importante, comment vous comptez réussir ce projet, sachant qu'il y a une barrière ou un frein qui est celui de la langue. On sait que bon nombre d'agriculteurs sont analphabètes et donc ne maîtrisent pas forcément les outils technologiques. Comment comptez-vous surmonter cet obstacle pour permettre à tous les agriculteurs de bénéficier de cette digitalisation ? Peut-être certains agriculteurs, malheureusement, sont analphabètes, mais les agriculteurs sont très intelligents. Quand vous avez un concept qui est bien préparé, bien présenté, il est très vite adopté et parfois, il nous dépasse. Parce qu'ils sont imaginatifs, je discute souvent avec plusieurs de nos partenaires, ils ont des idées géniales, il suffit juste de les écouter d'abord et de les mettre en confiance pour aller le plus loin possible. D'ailleurs, dans le projet Tissir, nous avons fait appel à une start-up marocaine. Et il y a tout le relationnel, le capital confiance que nous avons au sein de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre, à travers leurs associations, à travers plusieurs partenaires, qui nous a, entre guillemets, facilité la tâche. Donc on n'a pas de crainte de ce côté. Au départ, il y avait certaines appréhensions, mais dès qu'on a commencé et qu'on nous avons montré l'intérêt, il y a un engouement et puis on avance. D'accord. Le SIEM, certes, c'est une vitrine pour Côte du Mar comme pour toute l'agriculture marocaine, mais c'est aussi une plateforme de business. Quels sont les objectifs que Côte du Mar se fixe pour la réussite, on va dire, de sa participation au SIEM ? Le SIAM, ou notre participation au SIAM, c'est l'occasion de rencontrer bien entendu les agriculteurs, mais nous rencontrons aussi nos clients, parce que dans plusieurs stands que vous avez même autour de nous, nous avons plusieurs clients qui nous achètent le sucre qu'ils incorporent dans leurs produits. Vous avez la confiserie, la biscuiterie, les boissons, les jus. Vous avez aussi les clients qui utilisent des coproduits, comme la mélasse pour faire la levure. Donc, nous sommes le seul fournisseur de la mélasse pour toute la levure qui est faite dans notre pays. Nous avons aussi les producteurs de viande qui utilisent les pellets que nous restituons aux agriculteurs et que nous commençons aussi à commercialiser en complétant les besoins de notre pays. Donc les pellets, c'est les fibres qui reste après l'extraction du sucre de la betterave. Donc c'est un domaine aussi où nous avons des partenaires ici. Nous avons certains fournisseurs
le machinisme agricole, tout ce qui est produit pour l'emballage. Donc c'est une occasion pour rencontrer ces deux parties de notre écosystème. Et il y a la quatrième composante qui est très importante, ce sont les partenaires amis internationaux. Nous avons reçu plusieurs clients qui sont intéressés par l'activité export de sucre dans leur pays, puisque nous faisons entre le cinquième et le quart de notre activité en faisant appel au mécanisme de l'admission temporaire hors système de compensation, en important le sucre brut, en le raffinant, en le conditionnant et on l'envoie grâce au hub de Casablanca sur presque une quarantaine de pays autour de nous. Donc tous ces partenaires-là sont reçus par les cadres, par les directeurs de Cosumar dans le stand et c'est une occasion de discuter avec eux. Alors la cinquième partie qui est très importante aussi, qu'il ne faut jamais oublier, c'est la partie secteur public. Tout l'écosystème du ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, de l'Intérieur, des collectivités, des régions, qui eux aussi suivent nos opérations et sont contributeurs pour certains d'entre eux. Tous les comités techniques qui gèrent les opérations de plantation, de récolte, d'irrigation, sont composés avec des cadres et des directeurs de l'agriculture, de l'intérieur et aussi des associations des agriculteurs. Alors le stand ou la foire, de manière générale, c'est l'occasion d'échanger, de dialoguer avec tout ce monde-là et de lui faire connaître ce que nous faisons. Dernière question, Monsieur Fikret, vous êtes également président de la FENAGRI. Vous avez soulevé un point important, le faible taux de transformation. Est-ce qu'aujourd'hui le SIAM permet un peu de trouver des remèdes ou permet un peu de remédier à la situation de cette faible taux de transformation, si on peut le dire? Si vous voulez, la volonté existe, les potentialités existent. Le SIAM, c'est peut-être un levier pour renforcer la sensibilisation de tous les acteurs. Bien sûr, les acteurs privés sont là quand il y a des opportunités, où il y a la compétitivité, l'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a un profit, il y a de la création de la valeur. Parce que les marchés sont là, la matière première, elle est là, la technologie, elle est là, les compétences en grande partie sont disponibles. Ce qu'il faut, c'est peut-être accélérer l'amélioration de l'environnement pour faire émerger la transformation et la valorisation dans le domaine de l'agroalimentaire. Je vous donne un exemple, par exemple la TVA non apparente, le concept de la TVA non apparente, le fait qu'on ne l'a pas encore totalement généralisé, il n'encourage pas l'investissement dans le domaine de l'agroalimentaire. Et notre rêve et notre souhait, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, à toutes les occasions possibles, il faut qu'il y ait la généralisation de la TVA non apparente pour tous les produits agricoles, pour attirer et stimuler la création d'unités pour la transformation. C'est un processus qui n'est pas rapide, qui demande du temps, c'est plusieurs années, 3 ans, 5 ans, 10 ans, selon le secteur qu'on considère, mais ça va être très vertueux et on le sent déjà. Il y a eu, avec la Direction Générale des Impôts, le ministère des Finances, on a eu, je les remercie, la possibilité d'entamer l'essai de cette TVA non apparente par les légumes et les fruits et on voit qu'il y a plus de 1 milliard 200 millions de dirhams de projets qui sont dans le pipe, qui sont en train de se réaliser. Et il faut accélérer ce processus-là, d'autant plus que l'agro-industrie, c'est un beau réservoir de l'emploi, d'opportunités d'emploi. On peut très vite aller vers des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois et qui est accessible à la technologie, du point de vue de la technologie, de l'investissement et surtout du marché, aussi bien le marché national que le marché à l'export. Et ça peut être aussi une occasion pour renforcer le partenariat avec nos amis africains qui ont la problématique encore plus aiguë que nous. Monsieur Mohamed Fikret, merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.